Forcément, ouais. Je suis un attaquant, j'ai envie de marquer à tous les matchs, je le dis toujours, mais forcément là il traînait. Petit côté centre en retrait, allez Courtais, oui, l'égalisation de Gaëtan Courtais. Ça reste en coupe, mais on prend quand même parce que c'est voilà, c'est des petits signes qui fait que est-ce que ça va enfin tourner dans mon sens, j'espère. Avec Gaël, j'en attends toujours un peu plus au cœur du jeu, dans le jeu combiné, mais par contre on sait que dans la surface, bah, il est chirurgical, il met des buts depuis, ça fait 15 ans qu'il en met, et il sait trouver le chemin des filets, et puis le trouver aujourd'hui, c'est bien, et puis donner cette victoire, c'est bien aussi, il a fait preuve de sang-froid. Gaëtan Courtais qui a la balle de match au bout du soulier. Et ouais, j'avais envie de finir la série de pénalty pour voilà, prendre mes responsabilités. Et apporter ouais la chose que je peux apporter à mon équipe, c'est faire gagner. Allez, Gaëtan Courtais, ça faisait partie de ces joueurs qui devaient profiter de ce match pour regagner de la confiance, retrouver le chemin du but. Il l'a fait en permettant à Guingamp de revenir à un partout. C'est le moment aussi d'effacer un petit peu son souvenir contre Dunkerque en tout début de saison. Gaëtan Courtais qui a la balle du 8e tour au bout du pied. C'est parti! Oui, Gaëtan Courtais, c'est fait! Guingamp se sort du piège malouin ce soir. Victoire! 4 tirs au but à 2. Ça va lui faire du bien parce qu'aujourd'hui, un buteur, et notamment Gaëtan, voilà, est malgré tout dicté par le but. Et quand il en est un peu privé, bah forcément ça se ressent. Donc je suis content pour lui. C'est pas évident, forcément que c'est pas évident. Un attaquant, ça veut marquer. Mais je doutais pas parce que malgré tout, j'ai voilà, à part le penalty de la première journée, la deuxième journée, pardon, non, si c'est la deuxième journée, pardon. J'avais pas eu non plus tant que ça d'occasion, ratée ou autre, donc je doutais pas, mais j'en avais pas aussi qui pouvaient me faire tourner dans le bon sens, donc forcément, je suis content ce soir et faudra qu'il y en ait vite d'autres quand même pour que voilà, la tête se libère complètement.